Good morning everyone. Hello, hello. Hello, 5e 6, 5e 7, good morning. 10 o'clock, time for your English lesson. Live from Draguignan. Hello, hello, good morning, good morning. Hello. Good morning, Baptiste. How are you? Alors, est-ce que le petit... Mais non, tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul parce que je vois qu'il y a 5 personnes qui sont connectées. Après, il y en a qui... Hello, good morning, Marie. Oh, good morning, Nolan. Il y en a qui se connectent, mais qui ne participent pas au chat, selon qui... Alors, je crois qu'il y a une histoire d'abonnement. Je ne sais pas pourquoi exactement, j'en sais rien. Bon, enfin bref, ce n'est pas grave. Avec... à gauche, la colonne B au présent et à droite, la colonne B au prétérit, au passé. Et vous deviez remplir, tout bêtement cette colonne. Alors, ils vous avaient un peu mâché le travail en vous mettant les pronoms personnels sujet déjà, donc au passé. Good morning, Soa. Alors, donc, la première à gauche. Hello, Charlotte. Good morning. Oh, ils arrivent. Ça y est, ils sont là. Good. Alors, première colonne à gauche. Ça bug. Bah oui, comme je vais vous dire à chaque fois, hein, on ne peut pas faire grand-chose sur le fait que ça bug. Désolé. Alors, première colonne à gauche, c'était be au présent. Donc, on vous donnait I am. Et logiquement, à he, she et it, qu'avez-vous écrit? Allez, he, she, it, qu'avez-vous écrit vite fait au présent? Allez. Eh bien sûr, exactement. Good, good, good. Oh, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. You, they, pour l'auxiliaire be au présent. Alors, Nolan, hello, est-ce qu'on doit marquer tout sur notre cahier ou pas? Alors, ça dépend. Si tu as réussi à imprimer, tu peux corriger sur la feuille. Si tu n'as pas réussi à imprimer, oui, ça serait bien que tu puisses écrire, peut-être pas forcément « she is, it is » et « we, you, they are ».« We, you, they are ». Donc ça, c'est du « pas, be » au passé, parce que c'est tellement simple c'est trop simple. Déjà parlé la dernière fois au live précédent de notre bille au passé. Et donc, avec un peu « she » et « it » au passé, au prétérit, le prétérit de « be ».« He, she, it ». Allez, je vous attends. « He, she, it ». Qu'avez-vous noté ? Les élèves, hein, quand même, il ne faut pas pousser non plus. Par contre, je ne sais jamais dans quelle classe vous êtes. Et j'ai l'impression que là, il y a quand même une majorité de 5e 5. Tac-tac-tac-tac-tac-tac, 5e 5. Oui, j'ai plus de 5e 5 que de 5e 6. Bon, ce n'est pas très très grave. Mais oui, bon, ok. Donc, he, she, it was. Good, very good. Et we, you, et they. We, you, et they. Que m'avez-vous marqué? Autrement dit, quel est le passé de are? Le passé de are, c'est... Allez, je vous écoute. Ah, le passé de are, c'est pas are, Charlotte. C'est pas possible. Are, c'est le présent. Exactement. We, you, they... were.
Oui, you, they, were. Hello, Imed. Ça y est, tu es revenu sur la bonne heure. Good. Donc, on est d'accord, si on résume. Le passé de am, c'est was. Le passé de is, c'est was aussi. Et le passé de are, c'est were. Est-ce que c'est bien clair dans votre tête? Il faut que ça soit très très clair dans votre tête. Voilà, ça c'est pas compliqué du tout. Et au passé comme au présent, on forme la forme négative et interrogative de la même manière. C'est la même construction. Avec d'autres mots, mais c'est la même construction. Donc, je ne suis pas, I am not. Je n'étais pas, I was not. Tout bêtement. Il était, he was. Il était, he was. Il est, he is. Nous étions, we were. Nous sommes, we are. Pour la forme négative, il n'est pas, he isn't. Il n'était pas, he wasn't, was not. Et le passé de is not. Et pour les questions, on inverse. Pareil. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est heureux? Is he happy? Est-ce qu'il était heureux? Was he happy? C'est la même construction, exactement la même, mais avec une autre forme du verbe. Voilà. Alors, donc, ça, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je répète, petit rectangle de gauche, présent, I am, en dessous, he, she, it, is, we, you, they, are. Et à droite, le passé, le prétérit de be, I was, he, she, it, was, we, you, they, were. OK. Que s'est-il passé hier? Allez, on corrige le premier exercice. Que s'est-il passé hier? Complète ces phrases avec was ou were. Was ou were. Donc, il fallait retrouver le sujet, regarder éventuellement dans la colonne juste au-dessus pour ce que vous aviez marqué. Et donc, yesterday, alors vous aviez deux choses, deux verbes à mettre. Yesterday, we blabla at school, but Julie blabla and, donc not. There. Allez, qu'avez-vous marqué? Good, good. OK. So, yesterday, good, good, very good. Donc, yesterday, we were at school. Yesterday, we were at school. But Julie wasn't there. Hier, nous étions à l'école. We were at school. But Julie wasn't there. Mais Julie n'était pas, n'y était pas. Ils auraient pu écrire But Julie wasn't at school. Bon, ils ont raccourci, comme nous on le fait avec le pronom Y, n'y était pas. But Julie wasn't there. Good. Donc pluriel, we were, singulier, Julie wasn't. Wasn't, puisqu'on vous donnait unt, la forme négative. Phrase B. Allez, le sujet c'est. She. Alors, phrase B, le sujet était she. She blabla with her parents. Good. Yes. Charlotte, good. Elias, good. Yes. She was with her parents, exactly. She was with her parents. She was with her parents. OK, good. Very good. Lilou, Mario, Jérémy, good. Very good. Donc, on continue le petit exercice. Her grandfather. Donc, her grandfather. Donc, on parle de son grand-père. Her grandfather. Donc, le grand-père de n'importe. Bon, alors là, c'est logique, c'est le grand-père de Julie, puisque c'est le début de l'exercice. Donc, il fallait regarder si ce sujet était singulier ou pluriel. Donc, her grandfather was. Yes, her grandfather was. Moi, je suis à la phrase C, hein. Imed et. Qui d'autre s'est trompé? Imed et Mario, je suis à la phrase C. Her grandfather. Son grand-père, donc c'est il au singulier, he, donc was.
Her grandfather was ill. Her grandfather was ill. Son grand-père était malade. Et la dernière, petit d, they, bla bla, very worried, très inquiet, very worried, très inquiet. Donc, they, yes, Mario, Elias, good. Donc, la phrase d, they, yes, exactly, exactly, they were very worried, they were very worried, exactly. Ils étaient très inquiets. Good. Okay. So, good as well. Ensuite, donc ça, normalement, ça ne devait pas poser de problème. Parmi ceux qui me l'ont envoyé, je ne sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait she were. Non, she was, hein, attention. And they were very worried. Okay. So, yesterday, we were at school, but Julie wasn't there. She was with her parents. Her grandfather was ill. They were very worried. Troisième exercice, lis bien les énoncés A, B, C, puis écris les trois phrases à la forme interrogative et donne une réponse brève. Il fallait l'envoyer. Non, Charlotte, il ne fallait pas l'envoyer. Je vous avais dit, ceux qui veulent que je leur corrige, en mettant un petit commentaire sur la boîte, sur le mail, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y en a trois ou quatre, je ne sais plus. Sur les deux classes qui me l'ont envoyé. Donc, j'ai vérifié. Il y avait une petite erreur. Donc, j'ai dit attention, là, la phrase machin, il faut faire attention, c'est pas ça, mais ça. Voilà. Donc, non, c'était pas obligé de me l'envoyer. Donc, tac. Alors, et fallait dessiner les flèches. Pourquoi ? Bah, pour que vous ayez le bon réflexe, quoi. Tout simplement, vous dessinez les flèches. Donc, exemple, he was at school yesterday. Vous deviez transformer en question. Was he, en inverse, was he at school yesterday? Et deux réponses possibles. Yes, he was. Réponse courte. Ou no, he wasn't. Allez, la première. Donc, je vois qu'il y en a déjà qui l'ont écrit. Donc, c'est parfait. She was at the swimming pool yesterday. She was at the swimming pool yesterday. Question, hop, en inverse, petite flèche. Was she at the swimming pool yesterday? Was she at the swimming pool yesterday? Et la réponse brève, qui devait commencer par yes, yes, she was. Alors, Lilou, was she at the swimming pool yesterday? Yes, she was. Good. Ilias, was she at the swimming pool yesterday? Yes, she was. Good. Jérémy, was she at the swimming pool yesterday? Yes, she was. Good. OK. Donc, je suppose que tout le monde a écrit aussi la bonne réponse, parce qu'il fallait juste inverser. Voilà, il n'y a pas de choses compliquées à écrire là-dedans. La B. They weren't in London last week. They weren't in London last week. Ils n'étaient pas à Londres la semaine dernière. They weren't in London last week. Alors, en fait, il fallait poser la question. Et si vous inversiez exactement comme elle l'avait fait, ça fait une interro négative. Mais vous avez eu le bon réflexe. De le transformer en négatif normal. Donc, alors Lilou, were they in London last week? Good. Were they in London last week? Oula, Soa, t'écris vite, fais attention parce que quand tu écris trop vite, tu fais un petit peu des fautes. Et donc là, c'est pas trop compréhensible ce que tu as écrit. Donc, were they in London last week. Et la réponse, no, they weren't. Alors, attention Lilou, t'as mal tapé sur ton ordi ou sur ton téléphone, je ne sais pas comment tu regardes ce live, c'est they, T-H-E-Y, no, they weren't. Donc, I repeat, were they, je vais même vous l'écrire. Were they in London last week? Were they in London last week? And no, they
Weren't. No, they weren't. Were they in London last week? No, they weren't. La phrase C du deuxième exercice. La phrase C. I was ill last week. I was ill last week. J'étais malade le week-end dernier. I was ill last week. J'étais malade le week-end dernier. Alors, la logique était d'inverser les deux. Mais ça fait un petit peu bizarre de se parler à soi-même. Du genre, est-ce que j'étais malade le week-end dernier? À moins qu'on se pose la question en réfléchissant. Alors, pourquoi je ne suis pas allée faire un tour? Est-ce que j'étais malade? Ah bah oui, j'étais malade. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai accepté. Was I ill last weekend? Yes, I was. Was I ill last weekend? Yes, I was. Parce que la phrase est très bien construite. Elle veut dire quelque chose. Voilà. Tony aussi. Votre phrase est très bien construite. Elle veut dire quelque chose. Simplement, ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce qui aurait été plus logique de mettre? Qu'est-ce qui aurait été plus logique d'écrire pour cette phrase plutôt que « was I ill » qui est tout à fait correct, hein, je vous le répète encore une fois. Vous avez inversé l'auxiliaire et le sujet, c'est juste parfait. Mais pour une question de sens, donc du genre, donc « was I ill yesterday » Alors, pas « yes, you was ». Ça, non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Were you exactement? Were you ill last week? Last weekend. Were you ill last weekend? Were you ill last weekend? Et donc la réponse logique à ça. Allez, je vous attends pour la réponse logique à ça. Alors, c'est juste, sinon, si tu mets « was I ill », oui. Alors, si vous mettez « was I ill last weekend », c'est tout à fait correct et c'est juste. Ça fait juste un peu cinq fois que je le dis, mais ça fait bizarre. Est-ce que tu te poses la question à toi-même « j'étais malade la semaine dernière ?» Bon, c'est rare qu'on se la pose quand même. Donc, c'est plus logique de marquer « Were you ill last weekend ?» Si tu as marqué « Was I ?», ta réponse n'est pas fausse. Tu mets entre parenthèses et en dessous, tu marques « Were you ?» Et donc, dans la réponse « Were you ill last weekend ?»« Yes, I was. » Exactement. « Yes, I was. » « Yes, I was. » C'est bon tout le monde? Yes, I was. Ok, good. Good, ok. Alors, ensuite, dernier exercice. Imagine et écris une réponse pour chacune des questions. Imagine et écris une réponse pour chacune des questions. Alors, vous aviez quatre phrases, pareil. Et la première, c'était « Were you at school yesterday ?»« Were you at school yesterday ?» Et vous deviez commencer par « No. »« Were you at school yesterday ?»« No. » Alors, Mario, « No, I wasn't. » Réponse courte, parfait. Pas de problème. Lilou, no, I wasn't. Et là, tu expliques. No, I wasn't. I was ill. Good. Alors, quand vous connaissez les petits mots de liaison, et, mais, parce que, n'hésitez pas à les utiliser. Donc, par exemple, Lilou, no, I wasn't. Because I was ill. Ce que tu as marqué, c'était très bien, Lilou. Simplement, montre que tu sais relier tes phrases entre elles. Et ça, tu le sais, les autres aussi. No, because I was ill. Ensuite, were you at school yesterday?
No, I was in my house yesterday. Good. No, I was in my house yesterday. Good. Une autre réponse possible. Donc, soit on a Were you at school yesterday? Réponse courte, No, I wasn't. Réponse longue, No, I wasn't at school yesterday. Ou alors, No. No, I wasn't because I was ill. No, I was in my house yesterday. Voilà, il y a plusieurs possibilités. La B. Was she with you? Was she with you? Que m'avez-vous marqué comme réponse? Qui devait commencer par yes. Alors, ah Mario, non, ça va pas ce que tu as écrit. Yes, I was. No, 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 no. Alors, la question c'est, was she with you yesterday? Est-ce qu'elle était avec toi? Est-ce qu'elle était avec toi? Donc, yes. Voilà, Jérémy. Yes. Alors, donc toi, tu m'as fait une réponse longue. Très bien. Voilà, c'est ça. Mario, good. Toi, tu as fait une réponse courte. Ah, Baptiste, tu peux pas. Tu peux pas mettre yes avec une forme négative. Ça marche pas. Tu as marqué wasn't. Wasn't, c'est une forme négative. Donc, tu peux pas marquer oui. Lilou, good. Donc, was she with you? Deux réponses possibles. Yes. Alors, réponse longue. Yes, she was with me. Ou une réponse courte. Yes, she was. Ou montrer que vous savez vous exprimer un petit peu plus que yes, she was ou yes, she was with me. Comme par exemple, alors, Ilias, tu avais marqué quoi? Yes, she was with me. We were in the cinema with friends. We were at the cinema. Bon, ça, je ne t'avais pas corrigé, mais we were at the cinema with friends. Good, ok. Alors, Baptiste, c'est pour la A. Ah, mince, t'es un petit peu en décalé, d'accord. Alors, la A, c'était. Donc, qu'est-ce que tu m'as marqué comme réponse? Baptiste. Ah oui, ben alors à ce moment-là, oui. Alors, attends. Ah, ben non. La réponse A, c'était toujours. She was at the swimming pool. Yes. Ben non, ça marche pas, puisque c'est wasn't. Et donc là, on est à yes. Donc ça peut pas être avec un yes, on met pas une forme négative. C'est pas possible. Ok. Les deux dernières phrases, un tout petit peu plus compliquées parce qu'il fallait que vous retrouviez là les questions. Maintenant, imagine et écris des questions pour ces deux réponses. Autrement dit, on vous donnait les réponses, il fallait trouver la question, tout bêtement. Alors, blablabla yesterday, et la réponse c'est oui, j'y étais. Sous-entendu, on holidays, sous-entendu, en vacances. Donc, la question va être, est-ce que tu étais en vacances? Oui, j'étais en vacances. Donc, que m'avez-vous écrit? Alors, Lilou. Alors, were you on, pas in, on. Were you on holiday? Good, yesterday. Voilà, were you on holiday? Yes. Good. Were you on, were you on holiday? Were you on holiday? Yes, I was. Sous-entendu, on holiday. Donc, c'est la réponse entre parenthèses qui devait vous guider. Alors, même chose. Soa, was I on holiday? Alors, ta question est très bien construite, il n'y a pas de souci, mais c'est la même chose que tout à l'heure avec est-ce que j'étais malade la semaine dernière? Là, c'est pareil. Est-ce que j'étais en vacances hier? Ah oui, j'étais en vacances. Ça fait bizarre.
même si ta réponse est bien construite, je préfère que tu mettes une réponse un peu plus logique. Enfin, en l'occurrence, une question un peu plus logique. Donc, comme celle que je viens d'écrire, Were you on holiday? Et la dernière. Blah, last week. And the answer was, no, he wasn't in Paris, he was in London. Non, il n'était pas à Paris, il était à Londres. Donc la question va être, est-ce qu'il était à Paris la semaine dernière? Ou alors la question peut être, est-ce qu'il n'était pas à Paris ou à Londres la semaine dernière? Non, il n'était pas à Paris, il était à Londres. Donc, Lilou. Alors, ah non, attention, attention. Je ne veux pas la phrase est-ce qu'il est allé à Paris? Parce que est-ce qu'il est allé à Paris, on conjugue le verbe aller. On est d'accord. Est-ce qu'il est allé à Paris? On conjugue le verbe aller. Est-ce que tu as mangé des carottes? On conjugue le verbe manger. Est-ce que tu as acheté du lait? On conjugue le verbe acheter. Est-ce que tu as vu tes parents? On conjugue le verbe voir. Moi, je veux, est-ce qu'il était à Paris? Donc, on conjugue l'auxiliaire être. Donc, tu n'as pas besoin de rajouter go. Il n'y a pas besoin d'un autre verbe. On est juste à est-ce qu'il était à Paris? Donc, Lilou, non. Mario, was in Paris or in London last week? No, he wasn't in Paris, he was in London. D'accord, j'accepte. Soa, alors Soa, tu m'as fait une interro négative. Tu t'es torturé la tête, hein, parce que ta phrase est tout à fait correcte. Une interro négative, ça serait du genre, mais il n'était pas à Paris, n'était-il pas à Paris la semaine dernière? Voilà, c'est ça une interro négative. Vous l'utilisez tout le temps sans vous en rendre compte que c'est une interro négative. Oh là là, ton pull il sent la friture. T'as pas mangé des frites hier? Ou t'as pas mangé des frites à midi? Voilà, c'est une interro négative. Tu n'as pas mangé? N'as-tu pas mangé de frites? Donc on fait pas une interro négative, on fait beaucoup plus simple soa. Voilà, donc Lilou, tu t'es corrigé, c'est bien. Was in Paris. Ilias was in Paris. Et donc, Soa, was he in Paris? Je vais l'écrire pour tout le monde. Was he in Paris last week? Les majuscules, c'est mieux quand même. Was in Paris last week? Voilà, tout bêtement. Tout bêtement, tout bêtement, tout bêtement. Alors, est-ce que cet exercice était difficile? Alors, bon, moi je vais vous dire que non, mais bon, ça fait juste un petit peu 44 ans que j'ai commencé l'anglais. Non, bien sûr que non. Voilà, au moins vous êtes honnête, c'était pas compliqué. Voilà. Ceux qui ont fait des erreurs, le principal, c'est de comprendre vos erreurs pour essayer de ne plus les refaire. Voilà. Easy, alors ça va, easy peasy, good. Allez, on se fixe un petit objectif. Alors, ok, bon, ben c'est bien. Si vous avez bien réussi, dans ce genre d'exercice-là, vous avez le droit de faire, allez, combien il y avait de choses à écrire? Allez, deux fautes maximum. Deux fautes maximum, ça veut dire quand même que vous avez compris ce qu'on attendait de vous et qu'au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous allez de plus en plus maîtriser. Voilà, si vous avez fait la moitié de faux, et bon, c'est un peu moyen. Mais bon, voilà, je pense que vous avez, normalement, c'était très très simple. OK, so, alors peut-être avez-vous vos cahiers. Maybe you have your copybooks next to you. So maybe you could write the date.
So today is Thursday, the 9th of April, Tuesday, April 9th. Alors, je vous rappelle que 9th s'écrit comme ça. Hop, n'importe quoi. Oui, j'avais commencé à écrire objectif. Thursday. Ah, tiens, Thursday, c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Thursday, April. Y arriver. Thursday, April 9th. Allez, petit objectif. Savoir demander une date et un lieu de naissance. Savoir demander une date et un lieu de naissance. Super facile. Savoir demander une date et un lieu de naissance. Allez, je vous attends. Don't forget to write objectives in green. Don't forget to take your green pen to write the date, to write the objective. Savoir demander une date et un lieu de naissance. Une date de naissance. Je vais le préciser. Date de naissance et un lieu de naissance. So, alors, vous connaissez normalement déjà, vous savez demander à quelqu'un quand est son anniversaire. Alors, rappelez-moi comment on dit ça. Ça, c'est du niveau primaire, sixième. En cinquième, on pousse un petit peu et on apprend d'une autre manière, du genre quand, où es-tu né ? Et quand es-tu né? Et non plus quand est ta date de naissance. Voilà. Lilou, correct. When is your birthday? Donc vous avez déjà celle-là que vous connaissez par cœur. When's your birthday? Birthday. When is your birthday? Ça, c'est la plus simple. Maintenant, comme on est en cinquième qui pousse vers la quatrième, on va passer un petit peu à des choses un peu plus compliquées. Mais il me semble que l'année dernière, bon alors j'ai pas eu tout le monde l'année dernière en sixième, il me semble que je vous l'avais déjà dit. Alors pas where, Charlotte. Where, ça veut dire où. Où est ton anniversaire, ça marche pas. When. When is your birthday? Alors, quand on veut maintenant la version un peu plus compliquée, donc on va marquer version plus compliquée. Allez, presque, Ilias. Qui est presque? Alors, Ilias, tu as posé la question. Est-ce que tu es né? Donc, ben oui. On peut répondre que oui. Hein. Voilà, est-ce que tu es né? Oui. Tu m'as juste oublié. Pardon. Le quand et le où. On écrit. Ben oui, Med, ça serait bien. Après, si tu ne veux pas écrire, je ne peux pas t'obliger. Hein. Je ne suis pas à côté de toi, donc, mais bon. Alors, Charlotte, tu y es presque. Lilou, tu y es presque aussi. Alors. Non, personne. Alors, on est d'accord que la naissance, c'est terminé. C'est du passé, d'accord? Et donc, en anglais, donc, on va faire d'abord pour quand. Ah ben, donc, on va faire d'abord pour où. Allez, exactement, Ilias. Where were you born? Where were you born? Where were you born? Where were you born? Alors, Jérémy, t'en es pas loin. T'as oublié d'inverser. Puis tu m'as oublié une lettre aussi. T'as oublié pas loin. Ta réponse n'en est pas loin. Alors, donc vous notez,
Where were you born? Et la réponse va être I was born in. I was born in. Allez, je vous mets la mienne. Allez, comme ça, vous aurez toute ma vie. I was born in Chalon-sur-Marne. Donc, vous, là, vous mettez votre lieu de naissance à vous. Donc, logiquement, je crois que ça fait tout le monde. I was born in Draguignan. I was born in Fréjus. I was born in any exotic place. N'a pas qu'ils sont nés dans un endroit un peu exotique, dans des pays anglophones ou. No, you were all born in Draguignan. Alors, on est d'accord que vous ne copiez pas Chalon-sur-Marne. Hein. C'est moi, hein, Chalon-sur-Marne. Hein. Donc, vous vous mettez « I was born in » et votre lieu de naissance. J'ai mis exprès, je n'ai pas voulu mettre trois petits points pour que là, on ait bien la réponse à « Where ?»« Where were you born ?» D'accord ? Ok, donc Mario, j'espère que tu as écrit « I was born in Toulon ». Charlotte, j'espère que tu as écrit « I was born in Fréjus ». Et que avant de marquer I was born in Toulon, I was born in Fréjus, vous aviez écrit la question Where were you born? Where were you born? Ok, good, good. Very good. Ok, donc ça. Donc, Soa, tu as bien écrit la question. Where were you born? Réponse, I was born in Lille. 3 L au total à Lille. Ok, good. Maintenant, on a eu où es-tu né? Maintenant, on veut quand es-tu né? Quand est ta date de naissance? Alors, donc, facile, vous allez remplacer un mot. Là, on avait « Où es-tu né ?» Maintenant, je veux « Quand es-tu né ?» Donc, vous remplacez juste un mot. Ok, alors ça marche. Alors, donc, comment allez-vous dire « Quand es-tu né ?» Alors, si tu es né à l'hôpital de Draguignan, donc tu es né à Draguignan. Donc, tu dois écrire « Question ». Where were you born? Réponse, I was born in Draguignan. Alors, pas what, Charlotte, attention. What, c'est quoi, que, qu'est-ce que, quel, lequel, quel masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel. Eh bien, comment on dit quand, les enfants? Alors, allez, on y va. Donc, when, exactement, when. Times, ça veut dire le temps, ou ça veut dire fois, du genre 3 fois 4, ou le temps, j'ai pas le temps. Pas le temps qu'il fait, hein, ou j'ai pas le temps. Good, Jérémy. Allez, on y va. Donc, ça nous fait « When were you born ?» Exactly. « When were you born ?»« When were you born ?» Yes. « When were you born ?» Et donc, là, vous allez répondre. On n'oublie pas le point d'interrogation, parce que sinon, vous allez vous tromper. Et donc, là, on répond « When were you born ?» I was born in, alors toc, toc, voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, hop, I was born in 19, bla bla bla. Alors vous ne mettez pas 19, bla bla bla, parce que sinon ça ferait un peu trop longtemps en cinquième. Donc vous, ça sera I was born in 20, alors on est en 2020,
donc maybe 2008. Were you all born in 2008 or yes or 2007? Oh, seven. Okay, seven. Okay, yes, good. Donc, est-ce que vous avez tous écrit la question When were you born? Point d'interrogation et votre réponse I was born in. Ne vous contentez pas de 2007 hein, sur votre feuille. Hein. Apprenez aussi à construire des phrases et ne pas que balancer comme ça des réponses. Ça, quand on balance que des réponses, ça veut dire qu'on a déjà un bon niveau ou que voilà. Moi, j'aime bien avoir des phrases construites, sujet, verbe, complément. Ok, donc n'oubliez pas ça. Ok, alors ensuite, vous avez, alors je ne sais pas, vous avez tous une sœur ou un frère? On met quoi si on ne met pas 2007? Bah tu mets 2008, Lilou. Je ne sais pas moi quand tu es née. Quelle année tu es née, poulette? Lilou, t'es soit 2007, comme tout le monde, ou alors 2008 si tu es un petit peu plus jeune que les autres. Ou 2009 si tu as une année d'avance. Ah, d'accord. Alors la phrase, I was born in. Eh ben, on va prendre un exemple. Toc, toc. Oh, c'est born. Pourquoi je mets un i à chaque fois? Voilà, ça c'est la phrase que vous devez écrire. Sinon, si vous êtes de 2008, I was born in 2008. Alors, donc, je vois que vous avez tous au moins un frère, au moins une sœur, à part un d'entre vous qui n'a pas de frère, qui n'a pas de sœur. Bon, eh ben, c'est pas grave, tu prendras ton père ou ta mère. Alors, eh ben, Lilou, eh ben, tu prendras ton papa ou ta maman aussi, on s'en fiche, l'un des deux. Et donc, maintenant, j'aimerais que vous vous posiez la question. Quand est né ton frère ou quand est née ta sœur ou quand est né ton père ou quand est née ta mère? Alors, comment diriez-vous ça? Alors, comment pourriez-vous dire ça? Alors, Lilou, very good. Il faut juste penser à inverser. Il faut juste penser à inverser le brother, le mettre au milieu de was et de born. Alors, hop. Donc, Lilou, tu inverses your brother et tu le mets entre was et born. Ilias. Ok. Charlotte. Attention, ma sœur. C'est elle au singulier. Donc, power. Attention, attention. Imed. Pourquoi tu m'as mis au pluriel? Parce qu'on n'en fait qu'un. Si tu as deux frères ou trois sœurs, bah, t'en prends un, surtout sur la totalité. Jérémy, attention. Si tu as was, t'as pas is. C'est pas possible. Et Teddy, tu as oublié le déterminant, my ou your brother. Yes. Allez, je vous mets deux exemples. Donc, when was your brother born? When was your brother born? Alors, ceux qui ont un frère et qui avaient décidé de prendre leur frère comme exemple. Donc, vous pouvez écrire cette question. Ceux qui ont une sœur.
et qui avaient décidé de prendre leur sœur pour faire cette question. When was your sister born? Et ceux qui ont décidé de prendre leur père comme exemple, when was your father born? Et ceux qui préfèrent prendre leur mère comme dans la question, when was your mother born? Voilà. Alors, si ça vous fait plaisir, vous copiez les quatre. Ce n'est pas le but de copier les quatre. Vous copiez la question à laquelle vous voulez répondre en prenant soit votre frère, soit votre sœur, soit votre père, soit votre mère comme exemple. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je demande? Donc, une seule de ces quatre questions, sauf si vraiment ça vous fait plaisir d'écrire les quatre, une seule de ces quatre questions, et ensuite, eh ben, il va falloir y répondre. Donc, c'est maintenant que j'attends vos réponses. Alors, que mettez-vous pour vos réponses? Alors, si vous n'êtes pas sûr, parce que des fois en cinquième, on n'est pas bien sûr de quand le petit frère ou la grande sœur est née, vous pouvez commencer vos phrases par je crois, je pense, I think, je suis pas sûr, mais bon, à un an près, I think, bla 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 bla. Allez, qu'allez-vous m'écrire? Allez, qui commence? Non, non, je suis pas d'accord. I was born, tu parles de toi. Moi, je veux pas que tu me parles de toi, je veux que tu me parles de ton frère. Donc, le sujet n'est pas le bon. Alors, Ilias, she was born, donc je suppose que tu as marqué when was your sister born? Donc, she was born in 2005. Good. OK. My father. Oh, ah ben voilà, tu connais l'année. Donc, my father was born in 1974. Good. Qui d'autre? Donc, Imed, il faut que tu corriges. Donc, tu as choisi de parler de ton frère apparemment. Donc, il faut que tu commences par mon frère, puisque tu veux parler de ton frère. Ou alors il, puisque dans la question, tu as dû recopier comme question When was your brother born? Alors les autres, que m'avez-vous mis? Ah, c'est mieux. Alors, Imed, he was born. Et on n'oublie pas que devant les dates, on met toujours la petite préposition in devant les dates. Donc, toi, ça ferait he was born in 2016. He was born in 2016. Il y en a d'autres qui veulent m'écrire leurs exemples? Peut-être. Vous en train le faire? Nolan, he was born in 1975. Good. Donc, Nolan, on est d'accord que tu as écrit la question When was your father born? Comme réponse, he was born in 1975. Good. Donc, en fait, à chaque fois, vos réponses doivent commencer soit par My brother was born in. 2010, ou alors he was born in 2010, my sister was born in 2010, ou alors she was born in 2010, my father was born in, my father was born in, et ben on va prendre l'exemple de Jérémy, 1974, ou alors he was born in 1974,
Ou alors, my mother was born in 1974. Ou she was born in 1974. Alors, donc, Tony, my brother was... Très bien, tu t'es corrigé. Very good. Nolan, he was born in 2002. Good. Very good. Il y en a d'autres qui veulent écrire quelque chose? Bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors, je suis d'accord avec vous que « When is your birthday ?»« When is your dad's birthday ?» c'est beaucoup plus simple, vous le connaissez par cœur. Mais pour pouvoir augmenter votre niveau, ben, il va falloir aussi changer un peu de vocabulaire et de tournure de phrase. Donc, en fin de cinquième vers la quatrième, il faut avoir d'autres synonymes dans vos expressions. Donc, c'est pour ça que bah, vous devez apprendre d'autres choses et que vous devez apprendre à les maîtriser aussi en faisant des petits exercices. Donc, Nolan, he was born in 2002. Good. OK. Bien, les enfants, on va s'arrêter là. Alors, donc, pas de vidéo pendant les vacances parce que ben, demain soir c'est les vacances. Vous allez pouvoir souffler, vous relaxer, enfin profiter cette fois des vacances parce que là nous n'étions pas en vacances. Et Soa, je finis de. My father was born in 1971. Good Soa, ok. Alors je vous dis bye bye. Tony, my mother was born in 1981. Good. OK. Donc, je vous dis bye bye. Je vous dis aussi que je vais mettre des devoirs pour la rentrée, c'est-à-dire on se reverra le mardi 28 avril. On se revoit le mardi 28 avril. Je vous mettrai l'heure et ça sera une petite fiche d'exercice sur B. On reprendra mardi et jeudi jusqu'à temps qu'on rentre à l'école. Je ne sais pas trop quand, mais en tout cas, pendant 15 jours, il n'y a pas de live. Mais par contre, j'aurai une fiche d'exercice. C'est vraiment pas grand-chose. Essayez de revoir un petit peu, bon, voilà, de regarder des petites vidéos, des petites choses comme ça. Bonnes vacances. Enjoy your holiday. Happy Easter. Don't eat too much chocolate. Ne mangez pas trop de chocolat pour Pâques. Prenez soin de vous aussi. Thank you very much. Take care. Take care. Wash your hands. Sneeze or cough in your elbow. Keep your social distance. Be good. Be safe. Stay at home. Enjoy your holiday. Bye-bye. 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 Thank you. Bye-bye.